fait craindre la glace, lui, non? Laisse-moi faire. Ça la glace. Leur infligé une attaque qui exprime la faiblesse élémentaire les fera entrer en état de fragilité. Ok. Vous n'irez pas de mourir, frérot? Deux niveaux. Maintenant au pire. Bon, celui-là, si j'y arrive pas, on le fera plus tard, hein, je vous le dis. Ok, deux jokers. Oh, c'est horrible. Ouais, je pense qu'il est mort, Cloud. C'est tendu. Le timing, encore une fois. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue. Donc là, Iris, ça va crever aussi. Et Tifa aussi, en fait, on va crever. Soigner, j'ai pas réussi, malheureusement. Fais attention.
Et elle a raté sa transcendance. J'ai envie de crever. Oh non, pendant que je reste, elle m'a tapé. Du coup, ça annule ma res. Du coup, je suis dans la merde. Moi de merde ça hein. Après y'a pas un moyen de avoir du mana infini pour soigner tout le monde là. Encore du timing. Le moment où je fais le truc pour avoir du mana infini, je reprends deux attaques et les deux meurent, et je peux faire l'attaque. Enfin je ferai ça plus tard. Je pense que c'est le combat, l'un des combats les plus durs du jeu. Il faut être préparé pour y aller. On fera plus tard ça, on fera plus tard, c'est bon. M'a saoulé lui. On fera plus tard les gars. Ça va être ça... Oh, en fait ça va être très long à faire. Ça va être long à faire donc je préfère le faire plus tard. Je pense que je l'aurais tryhard si j'étais pas en live, mais vu que je suis en live, je vais pas faire ça pendant 6 heures d'affilée. On va faire ça déjà. Mais ouais, c'est cool. Au moins, je sais ce qu'il y a dans le truc. Il y a Tom Berry niveau, au deuxième truc, c'est horrible. Au 1, c'était quoi les pampas horribles. Au 3, c'était le pigeon, ça va. Donc, ouais. Quatrième, Joker plus le crapaud. Et le cinquième, j'imagine pas ce que c'est. Hein. J'ai du métal pour Choupinette. Il manquait un pixel pour que j'ai mon L1. Comme par hasard. Comme par hasard. Il m'a électrifié, what the fuck? On me gratte à la tête comme par hasard. Merde, je pourrais touche. Allez, go! Oh.
Le plafond m'a touché là. Le dernier tour, c'est là que je pouvais cheater. Pour le coup, les chocobos, je maîtrise. Et voilà, fumé. Oui, Mecha Chocobo. Déjà 4 victoires. Quel entrain. À votre niveau, vous êtes désormais un fêtard jalousé. Votre sens du divertissement et de la réjouissance attire les convoitises. Toutefois, gare à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il reste encore des épreuves avant de vous proclamer roi de la fête. Ok. Bon bah on fera son dernier truc une autre fois les gars. Le truc de combat, je me sens pas de le faire là actuellement. Du coup. On pourra le faire quand on veut, on le fera plus tard. Qu'est-ce qu'on on fait? Je pense qu'on va faire l'océan central. Et il faut aller. Non, je vais parler à Johnny. Peut-être qu'il a. Peut-être qu'il a le. À côté de Johnny, il y a un coffre. Et peut-être je vais pouvoir l'ouvrir. Oui. T'as déjà quelque chose à exposer? Non, toujours pas. Hein. Ok. Me téléporter s'il vous plaît. D'où le petit pointeur pour se téléporter là? Ou pas? L'auberge est méconnaissable. C'est Johnny doit avoir une... Allez, qui veut une materia? Oui. La meilleure façon de visiter Costa, c'est de manger au pot. Papa, papa. Moi, je vais faire ça. Comment je fais? Ah, vous voilà. Je t'emprunte la radio. Je te préviens, c'est un vieux modèle. Ça m'arrange. C'est la mission principale, merde. Bien, répète pour voir. Zone 7205246. Oui, c'est ça. Le continent du Nord. Compris. J'ai fini. Tous les appareils ont les coordonnées du temple. Au fait, je me suis un peu renseignée. Et ça a l'air plutôt vrai, cette malédiction liée à la pierre clé. À ce qu'il paraît,
ceux qui l'utilisent en meurent. C'est faux. De ce qu'on a appris, tous ceux qui l'ont utilisé pour entrer dans le temple ne sont plus jamais ressortis. Point. Mais ça revient au même. Et malgré ça, le président nous a donné l'ordre de tous y aller. C'est franchement pas sympa. Il y va aussi, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est bien dans son genre, ça. Let's go, Reno. Je veux bien que ça soit dans son genre, mais moi, je trouve ça un peu risqué. Mais après, je le déteste pas pour autant. On y va. On doit partir devant pour ouvrir les portes du temple. Compris. Apparemment, ils se rendent sur le continent du Nord. Ah, ok, je vois. Alors, c'est bon ? Évidemment ! Je suis même prêt à parier un bras que je vous emmène là-bas. Même si j'ai plus mes ailes pour le moment, je peux naviguer les doigts dans le nez contre vent et marée. Mais alors, ça veut dire que ça va secouer, hein ? Forcément ! Mais... des grosses vagues, il y en a toujours dans la vie. La Shinra a envoyé les Turks et l'armée. Assurez-vous d'être fin prêt. Ok, c'est bon. On a juste eu la cinématique. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Attends, on parle pas trop. Je dois aller... Matériel, ça? Oh, c'est un lance de fou là, c'est quoi? Cache du roi des pirates. Y. Bonne nuit, Tuki. Il alterne entre les modes apaisement et colère voltaïque, libération d'énergie électrique. Merci Tuki. L'attaquer pendant ce deuxième mode lui fera lancer un éclair étourdissant et le fragilisera. Une puissante attaque de vent déclenchera cette colère voltaïque et le fragilisera. Là.
Je l'ai soigné, mais malheureusement, je peux plus. J'ai presque plus de force. S'envoler. Ok, la cache pirate trouvée. On repart. C'est bon, on y va. Alors. Je suis attentif, hein, je regarde s'il n'y a pas des trucs à côté et tout. Pourquoi je vois pourquoi je vois Skull and Bones alors qu'on peut jouer à FFC Tribers, dites-moi. Mais il y a du nom à droite. Réveille-toi. Oh, que se passe-t-il? J'espère que vous
créatures, carrément. Aucun résultat. Je ne peux pas vous aider. Je m'en doutais. Les choses deviennent de plus en plus fascinantes. Je détecte le signal de cette protorolite que nous avons découverte jusqu'à présent en provenance de cette île. Je le pressens, Cloud. Notre quête des protoreliques touche à sa fin. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde. C'est loin de Zinzin. C'est sûr qu'il y a un banc sur l'île par contre. Nous y sommes. Voici donc la terre qui a soudain surgi de nulle part. L'île de Gilgamesh. Elle était apparemment submergée mais n'a pas de dégâts visibles. Je suppose qu'elle était protégée par les turbulences du champ magnétique. Pourquoi une île déserte autrefois isolée par de violents courants a-t-elle attiré une distorsion dimensionnelle? Oh, c'est vraiment captivant. Désolé. Ce que nous appelions protorelique est donc une armure d'un autre monde, l'équipement Genji. Et le prêteur légendaire le recherchait désespérément. Désormais, tous les éléments semblent converger vers cette île. Cloud, je compte sur vous pour mener cette enquête à son terme. Ok. Mais carrément, c'est une map carrément. Petit truc, mais quand même. Ici nous nous rencontrâmes, Jadib. Depuis lors, j'attendais ce jour béni. Je suis le prêteur légendaire, Gilgamesh. Et je le proclame en cet instant même. Je m'en vais reprendre le bien qui est le mien. De Genji qui brille d'ordinaire de mille éclats ont désormais l'air de sortir tout droit d'une décharge. Non mais franchement, vous ne pouviez pas en prendre mieux soin. C'est pas nous. Elles étaient comme ça. Ce n'est pas croyable d'être négligent à ce point. Mes pauvres petites, ne vous inquiétez pas. Papa vous promet que vous serez vite réparés. Notre affrontement est remis à plus tard. À la place, je vous somme d'exécuter les rites de la trempe. Hé ! Sale voleur ! Je me cause. C'est vous, les voleurs. Quoi ? Et à ce crime s'ajoute celui de ne pas avoir bichonné Genji. Rachetez vos méfaits. On va la réparer, ton armure. Mais ensuite, elle devra repartir avec nous. Elle reviendra au gagnant de notre combat. Ce sera moi, c'est sûr. Quelle insolence! Mes chiens qui aboient ne mordent pas. Je te pardonne, dans ma grande indulgence. Bien! Vous devrez parcourir mes sanctuaires. Et relevez le défi de chacun d'eux afin de faire renaître Genji de ses cendres. Plus vives seront les flammes de votre ardeur, plus Genji deviendra forte et éblouissante de splendeur. L'heure est venue d'attiser
Le feu guerrier qui brûle au fond de vous. Bien. Ça nous a rajouté 4 quêtes en plus, apparemment. D'où la grandeur de l'île. Oh, c'est quoi le mini-jeu ici? Le maximum atteint. Il me faut des invocations. Je ferai plus tard du coup les gars. Il me faut des trucs, donc on va le faire plus tard. Alors c'est quoi ça? Repirate. C'est quoi? Pirate Y. J'aime pas où je dois aller moi en fait. La principale, je sais même pas où je dois aller. Ok, bon, on fera plus tard pour faire Châtelet. Ça. On va aller vers la gauche. C'est loin, hein. Il y a une grande merde quand même. Hein. Ah. Nous y sommes presque. À mon humble avis, le temple des Cetra n'est pas la terre promise que vous recherchez tant. Dans ce cas. Qu'est-il, selon toi? Le lieu d'avènement d'un prophète, de la consécration de ses serviteurs. Un grand tournant de l'histoire se réalise devant nos yeux. Ce temple sera le théâtre de son prologue. Voilà ce que je pense. L'objectif est en vue. On est vraiment au bon endroit? On va voir. Oh.
Regardez, c'est incroyable. Ouais, on voit. Vous êtes prêts? Debout, matelots! Ici la grand voile! On n'a pas de voile, c'est un avion! Et on n'est pas des matelots non plus, je te signale! C'est pour l'ambiance, jeune fille! Bon, allez, préparez-vous au tangage et souquez ferme! Oui, capitaine! Ok. Et ben, let's go, hein! J'ai l'impression que c'est tout droit. Vous pouvez pas repartir avant quelques temps. Vas-y hein. C'est-à-dire qu'on va pas repartir après, c'est pas très grave. Je sens comme une tension dans l'air. Je crois que j'ai un peu surmené l'appareil. Je vais faire quelques réparations. Je vous rejoins après. T'es sûr que ça va aller? Je suis le grand Sidai Wind. Ok. Alors. Des trucs de la pièce de théâtre, ça. Ok. En vrai, je m'attendais pas à une map aussi énorme dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. C'est beau ici. Ok, deux secondes. Est-ce que je peux augmenter un peu? Aucun, attends, y a aucun truc nouveau depuis le début? Ah si, ah. Attends, ça consomme quoi? Couronne, cap. Tout ça est fait pour. Hein. Plume, corne, serment, cap. Il manque objet du roi des pirates 1 sur 0. Ah merde, j'aurais dû faire ça. Ah! Mais tout ça, c'est le truc du roi des pirates, ça? D'accord. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé depuis. J'ai le mot gris depuis le début du jeu, il n'y a pas mieux que ça? Il n'y a pas mieux que cette merde? La merde, ça. Bon, tout ce qui est pendant l'intérieur, on s'en fout.
Ok. Barre ATP remplie, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ça aussi. Monte le niveau de son ordre de 1 en début de combat. Il y a pas mal de trucs qui sont sympas quand même. Bon, de 10%. Compliqué de savoir c'est quoi le plus intéressant. De tout ce qui est... Tout ce qui est truc transcendant, je sais pas, j'arrive pas à voir c'est quoi le meilleur. Ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir le truc niveau 2 directement quand t'as une transcendance. Remplir la jauge de transcendance à moitié en début de combat. Remplir la jauge de transcendance lorsque les PM sont utilisés. Ça remplit, ça faudrait que je mette à Aeris. Ça peut soigner dès le début des combats. Et elle faudrait de la transcendance, mais laquelle? Je vais mettre ça, vas-y. Les anciens savaient y faire. Impressionnant. Il vaut mieux dire les Cetra. Oh. De la planète nous naissons. Avec elle nous parlons. Et sa voix nous écoutons. Et un jour à la terre promise nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend sur cette terre d'eau de la planète. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la terre promise. En fait, ce qu'il y a ici, c'est... de la peine. Et aussi... de la colère. Il t'appelle? Oui. Et intéressant, let's go. S'infiltrer. Il leur faut vraiment tout. Ou pas avoir. Ça va chauffer, pitoyable. Ça va faire. Pas grave.
du monde. La deuxième tâche, j'ai pas capté. Chemin, on commence par celui de droite. Bon, là on voit que la porte est fermée, donc à mon avis les deux chemins sont importants pour ouvrir la porte. Ah, je me suis trompé de sort, évidemment. Peut-être que Katie ne soit plus avec nous. Il retournera avec nous sans doute un peu plus tard, mais... Oh, il y avait des monstres, what the fuck. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Je me tâte en fait à faire un truc. Je pense que je vais le faire. Enlever ça déjà. Je vais mettre analyse et je vais dégager ça et je vais mettre le truc qui remplit à moitié. Voilà, comme ça j'ai toujours à moitié rempli dès le début. On aura plus facilement la transcendance à chaque fois.
pas nous faire de mal, je pense. Juste, Aerys, t'as pas un autre bâton? Et voilà. Un autre bâton. Alors, famille fidèle. Pardon. C'est quoi les familles fidèles? C'est un peu chiant. Y'a rien qui m'intéresse vraiment là. Peut-être ça. Alors glace, feu, vent, foudre, soin. Raise, ok. Ah, j'ai deux fois foudre. Deux fois soin. Un peu con. Je vais mettre PV augmenté. Je vais mettre PM augmenté. Dommage, j'ai pas magie augmentée. Et je mets 3 fois PM. Ok. Il n'a pas de... Mettre Alexandre, tiens. Allez, on va dire que je suis à peu près prêt pour la suite. Il y a Valentine qui protège. Hein. Ce qui veut dire qu'il doit lui aussi se trouver là-bas. Bon, bien, voilà qui est intéressant. Quelle chance. On parle de Sephiroth là. Tu vois, père, je l'ai fait. Oh shit, non. L'âme des rires noirs. Sephiroth. Cloud, ça ne serait pas... Sephiroth nous a devancés. Et merde. Dépêchons-nous. Un rocher, je suis dégoûté que tu es comme ça. Oh, c'est magnifique. J'ai hâte que ça soit sur PC là. Sur PC, ça sera encore plus beau. Plus splendide. Aerys pour remonter son sort. Wow. Si je comprends.
comprends bien, c'est pour cacher la matière noire que tout ça a été construit. Alors ça veut dire qu'elle doit valoir une vraie fortune. Chut. Évitons de parler de la matière noire, d'accord? La Shinra ne doit pas savoir qu'elle existe. Kate Sith leur a sûrement tout révélé. Peu importe qu'ils le sachent ou pas. On doit la trouver avant eux. Regardez, c'est quoi ce bordel? Et la gravité est inversée. Il n'y a plus de logique ici. Mieux vaut s'attendre à tout. On dirait que plutôt que la terre promise, c'est la mort promise. Te mets pas ces idées dans la tête. Tu parles, facile à dire. Hein? Commandant, l'ancienne et les membres d'Avalanche sont ici. Si on leur tend un piège, ils ont aucune chance. Non, priorité à la mission. Séparons-nous en deux, et continuons l'investigation. Vérifions qu'il s'agit bien de la terre promise. Rude, va avec Reno. Elena, tu viens avec moi. Ok. Reno. Hein? Priorité à la mission. Compris? À vos ordres. Let's go! Ok, donc est-ce que la gravité va être inversée avec des boutons, des trucs comme ça? Je sais pas. Ce temple est un casse-tête, mais en plus, il y a la Shinra et une tonne de manteaux noirs. Je vous le dis, on risque pas de s'ennuyer. Sephiroth aussi doit être dans le coin. Ouais, j'en suis persuadé. Je la sens de plus en plus mal, cette affaire. Il ne faut pas penser comme ça. Restons positifs, d'accord? Il ne faut surtout pas laisser cet endroit utiliser nos émotions contre nous. D'accord. Vu qu'il y avait une sorte de pierre verte là.